D'autres qui ont fait leur costume avec leur mère. Moi, je l'ai fait avec ma mère. Elle est partie à la main, je dirais à peu près 10 à 15 heures. Mais le reste, c'est pas mal acheté, puis il y a 1 300$ là-dessus. Exactement. Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. C'est après une superbe intro comme ça que je vous accueille dans mon atelier ce soir où on va faire, ben je vais faire et peut-être que vous aussi, on va faire du crafting cosplay. Fidèle à mon habitude, je vais faire un peu les actualités cosplay personnelles et communautaires, étant donné que je fais partie de cette communauté et que je continue d'avancer sur mon projet de Kamuravi. Alors, ça va être le fun. Là, je m'assurerai qu'on ait de la musique. Alors voilà, la musique ce soir, comme je peux pas mettre de la musique de Baldur's Gate 3, comme je n'ai pas terminé le jeu et que je veux pas me faire révéler des choses potentielles, j'ai décidé de mettre de la musique de Baldur's Gate, mais des deux jeux précédents que j'ai joué dans ma jeunesse. Alors si jamais vous entendez une petite musique de fond, ben c'est ça que vous entendez. Voilà. Sinon, moi, côté cosplay... Bon, il y a eu une nouvelle qui est tombée, je crois, cette semaine. C'est l'arrêt d'une convention qui avait redémarré cette année pour sa première édition en, je pense, 4 ans ou 5. C'est l'Animaracon à Sherbrooke. Ils ont annoncé cette semaine que la convention ne reviendra pas. Alors, c'était, comme on dit en anglais, un one-time thing. Et bon, dommage pour les gens de Sherbrooke, qui est quand même une grande ville du Québec, qui perd sa convention. Alors, c'est dommage. Mais bon, en même temps, là, j'ai jamais été là, mais de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, mais aussi de ce que j'ai vécu, ma blonde a déjà été une fois à Animaracon. C'est une très, très petite convention. Il y a presque pas de monde. Je l'ai vu là dans les albums photos que j'ai trouvés. Il y avait pas beaucoup de cosplayers. Mais en même temps, faut tempérer ses attentes. Sherbrooke, c'est une ville plus petite que d'autres places comme Québec et Montréal. Alors c'est sûr que on peut pas s'attendre à la même chose. Alors voilà. Donc RIP, rest in peace, repose en paix, Animaracon. J'allais dire Nadeshikon, mais je me suis repris. Mais peut-être que c'est la prochaine à convention mourir. Je le souhaite pas, mais il n'y aura pas d'édition en 2024 faute de main d'œuvre dans le comité organisateur de l'événement. Alors, puis en même temps, c'est une convention que je trouve personnellement sur sa pente descendante. C'est une convention qui se veut le monde de la culture japonaise. Et la culture japonaise disparaît progressivement de cette convention, je trouve. Je trouve que leur nouveau lieu, le Centre des congrès de Québec, il est moins bon que l'Université Laval pour l'ambiance. Oui, les salles de panel sont meilleures et tout. Les salles pour les présentations, les grands événements, c'est mieux. Mais on perd l'ambiance centrale avec notamment les prestations qu'il y avait au centre du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval. On perd aussi la nourriture japonaise, l'offre alimentaire au nouvel endroit du Nadeshikon à Québec s'est vraiment effondré, voire fortement diminué en qualité aussi et en variété.
Maintenant, c'est des hot dogs, des trucs de même. Il n'y a rien de culture japonaise là-dedans. Le Centre de congrès de Québec ne veut pas qu'il y ait de la compétition à leurs traiteurs sur place. Donc, ils ont le monopole, ce qui limite la variété. Puis aussi, c'est une des rares conventions, la seule convention qui n'a pas battu de record, puis même qui était plus bas que leur dernier chiffre, je me rappelle bien, suite à leur première édition après la pandémie. Alors, c'est dommage. C'est dommage, je trouve, mais bon, en même temps, faut un petit peu s'y attendre. Mais bon, on va voir qu'est-ce qui va se passer après 2024 pour le Nadeshikon. Alors voilà, sinon moi de mon bord, côté cosplay, j'ai avancé, j'ai travaillé sur les armures de Kamuravi, donc je vous montre un peu en ce moment qu'est-ce que ça donne. Donc si je le superpose comme ça, on a une épaulette de Kamuravi, j'ai fait les deux, si vous avez vu mes stories sur les réseaux sociaux, vous allez voir ça. Donc j'ai l'épaulette en construction. J'ai un peu de retouche en Warbla, ben en fait en Dremel à faire sur le Warbla qui recouvre le tout. Et c'est ça. Alors ça va bien, ça va très bien. Je vais me lancer tout d'abord sur la fin du Dremel. Je vous avertis, ça va être un peu bruyant. Je m'en excuse. Ce serait le fun que je puisse fermer le micro. J'ai comme envie d'essayer quelque chose pendant que je travaille là-dessus. Je vais vous mettre sur l'audio du PC. Je vais fermer le micro. Comme ça, je vais vous sauver le Dremel. Puis si j'ai besoin de parler, j'éteindrai le Dremel et je ferai ça. Donc tout d'abord, je vais juste m'installer pour travailler parce que, en fait... Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais comme faire. Je vais faire du Dremel. Donc, à peu près à cet endroit-là. C'est ça. Donc, là, je vous avertis, il va y avoir plein de poussière. Bonjour, caméra. Peux-tu focusser, s'il te plaît? Merci. Je m'éloigne. Ah, ok. Ok, c'est bon? Parfait. Donc, c'est ça, je vais travailler ici. Là tous mes pantalons vont être pleins de poussière, mais bon, en même temps, c'est un peu normal quand on travaille à ça. Ce serait le fun que j'ai éventuellement quelque chose comme une salopette, un apron en anglais, là. Comment on dit ça en français? Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Mais c'est ça, donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais changer... je vais mettre des AirPods parce que c'est bruyant pour moi aussi. Alors, je veux pas... je veux protéger mes oreilles. Alors là, j'ai la cancellation de son activée. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais monter ça à 20 décibels. J'ai hâte de me réécouter après, ça va être intéressant. Donc, peut-être à moins 25. Moins 25 décibels, c'est ce que je mets pour les GDI News, c'est pour de la musique ambiante. Pour la musique de fond du PC. Alors, on essaie ça, je ferme le micro et on part la musique.
Donc, petite pause de Dremel parce que il y a un bout, il y a une bosse qui est plus facile à faire, à enlever au heat gun. Alors, je m'y mets. D'ailleurs, on va... Toute cette poussière-là, on va la jeter à terre. Donc voilà, une même. Donc là, ça c'est lisse. Ah, il y a une petite affaire ici. Je vais en profiter, je vais essayer de changer la tête. Parce que il y a une tête qui pourrait être mieux pour ce que j'essaie de faire et ça va être moins pénible. On va aller la chercher. S'il m'en reste. Bon, va falloir que je démonte une tête. Donc, salut mes gars, content de te voir, ça va bien? Bienvenue sur le stream. Content de te voir présente. Comment s'est passée ta journée? J'ai une petite bosse ici à corriger. Moi, ça va bien. Une bonne journée au travail, là. Je me suis débloqué dans des trucs. Je pense que faut que j'aille voir l'autre. L'autre boîte, parce qu'on a deux Dremel. On a deux outils rotatifs. Est-ce qu'il y a ce que je cherche? Oui, peut-être. Ta journée était bien? Ah, ben parfait, mes gars, qu'est-ce que t'as fait? Et ça, c'est une tête finie. Je vais voir si je suis capable de le dévisser parce que souvent, ce qui arrive, c'est que les bouts de vis sont pour retenir, tenir les têtes serrées sur le bout. C'est tellement. Comment je dirais ça? C'est tellement. Il y a tellement de vécu que c'est dur à dévisser puis à visser après. Alors voilà. On va essayer de faire ça. Ça va tellement aller mieux hein, si on est mieux outillé pour ce que je veux faire. Laquelle est la moins maganée? Pas évident, ils ont l'air d'être pareils. Celui-là est fini. Là, j'ai un petit peu plus d'espoir, mais il faut que je trouve une vis, un embout plus large. Peut-être lui. Ouais, mes embouts sont pas mal finis. Je réalise ça, là. Je vais voir si je peux régler ça. Ah, t'as fait tes études et t'as acheté du boba. Ah oui, des bubble tea. Ah, ça c'est bon. J'en ai pris hier d'ailleurs. C'était hier? Oui, c'était hier avec Monita. On est allé chercher du bubble tea dans un magasin. Un endroit qui s'appelle L2, Théopel, qui prend de l'expansion au Québec. Alors, c'était bien le fun. C'est quoi ta sorte de boba? Méga, qu'est-ce que tu prends? Moi, c'est fraise avec bulle de tapioca. Là. C'est mon dada, c'est mon préféré. Qu'est-ce que vous prenez, vous autres, comme bubble tea? Il faut que je l'enlève à la main. Sinon, je continue avec celui que j'avais, là, mais je préférerais...
Sinon, ça va prendre des pinces. Je reviens, je vais aller chercher une pince. Je pense que ça va m'aider. Donc, me voilà de retour. J'en ai deux pinces. Une des deux devrait fonctionner. Je vais peut-être vous montrer ce que je fais. Ça va être mieux. Je sais pas si... J'essaie d'enlever la tête de ça. Je pourrais détruire aussi le papier. Je pense que c'est une idée faisable. En fait, c'est parce que le bout de vis il est trop fini. Fait que je peux même pas dévisser. J'étais sûr qu'on en avait un autre. Je vois pas d'autres embouts dans le kit. J'étais sûr qu'on en avait d'autres. Yep. Oh. Ouais, une sorte de théolé. Iron Goddess. Oh, c'est quoi les ingrédients? S'il y en a. Ouais, t'aimes leur matcha. Oh, excellent. Une chose que j'aime prendre aussi au L2, ils ont des macarons, là. Qui est de la compagnie Point G, parlant de trucs excitants. Mais oui, c'est... Bon, j'aime ça y aller. C'est vraiment le fun. Yeah. On en a un pas loin de chez nous, en plus. Donc, on y va en marchant. C'est vraiment super. OK. Fait que là, j'ai libéré le bout. Là, ça me prend un nouvel embout. J'en ai-tu un qui traîne? Lui, il me semble neuf. Bon, là, comme je peux pas dévisser, il faut que je le force un peu. Fait que moi, ce que je fais, je le rentre, puis après... Ah, non, là, c'est... Pour ça, ça prend une vis de quoi de bien, bien solide. Sinon, ça va rentrer... En fait, hein, je le rentre au bout, comme ça. Puis après, on va pousser. Je sais pas si c'est une limite, mais bon. Tiens, voilà, il est rentré. Je sais pas s'il va sortir, mais bon. Là, on a un embout propre. Qui devrait être correct, en principe. Sur internet, ça dit que Iron Goddess est un thé oolong chinois. Oh, ok. Je connais pas ces thés-là, par contre, mais wow, c'est le fun de savoir que ça vient de ça. D'où ça vient le tapioca? Je pense au bubble tea, là. Savez-vous d'où ça vient? Est-ce que c'est synthétique? Est-ce que ça pousse quelque part? Si jamais vous le savez, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse. Ok, pendant que je fais du Dremel, je vais ouvrir puis fermer le micro de temps en temps. Donc, là, la musique va être un petit peu plus forte, mais c'est parce que je veux pas que vous entendez du gros son très fort. Alors, je vais être on-off avec le micro pour cette partie du stream ce soir.
We'll be right back.
Donc, me revoilà. Oui, excusez-moi, j'étais en mode Dremel parce que je voulais pas vous incommoder avec le bruit. Alors, ouais, mais gars, tu dis, selon Internet, le tapioca a été découvert au Brésil, les perles venaient du sud-est de l'Italie. Oh, ok. Donc, tapioca, Brésil, perles, sud-est pas de l'Italie, j'ai dû dire Italie, je voulais dire Asie, excusez-moi. Mais oui, c'est quand même loin, hein, l'un de l'autre. Alors, yep. Mais ouais, c'est cool de voir que tu as fait tes recherches. Merci, mes gars, de nous avoir partagé ça. Là, il me reste une petite affaire de Dremel à faire, d'outils rotatifs. Je fais juste enlever de la poussière, la mettre à terre, parce que là, en ce moment, y a pas mal de poussière partout, y compris sur mes jambes. Je vais devoir tout enlever ça. C'est clair que je mets pas ça pour aller au travail demain. Yep. Alors, je vais juste. J'utilise une règle métallique comme balai. Passe le balai. Mets ça à terre. Passer le balai après. C'est très poussiéreux, tu dirais même. Faire des armures, c'est le fun, mais c'est poussiéreux. Ça, c'est avec le sablage et tout, là. C'est le sablage qui rend ça poussiéreux. Donc, là, il faut juste que je fasse les petits bords ici, là, rapidement, puis je vous reviens dans quelques minutes. Alors voilà, c'est terminé pour le Dremel, je crois ce soir.
Alors là, je suis très poussiéreux. Je mets le sol à terre le plus possible. Je secoue un peu ce que j'ai travaillé. Donc mon but c'était de que ce soit tout beau à l'arrière, même si c'est pas final là. Tu sais, on voit encore le fond, puis c'est pas égal. Au moins il y aura pas de bosse. Puis ça va permettre d'appliquer de quoi uniformément, puis que ce soit lisse tout autour. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Alors c'est là où j'en suis. Je suis sûr que le gros de la poussière soit parti. Pour les gens qui écoutaient, avez-vous des projets cosplay en cours? Allez-vous être au Mini Comic Con dans 2 semaines? Moi, je vais y être les 2 jours. Samedi, je vais porter mon cosplay de Captain America et dimanche, je vais prendre des photos. Donc, c'est le plan du week-end. Là, il va avoir il y a comme une passe payante, mais c'est gratuit l'événement, là, mais t'as un accès prioritaire à la salle d'exposition si tu paies. J'imagine que si il y a une capacité maximale dans la salle d'exposition, s'il y a beaucoup de monde, ben là peut-être qu'ils vont faire passer les gens qui ont payé en priorité. Ça se peut. Je sais pas trop comment ça va faire. Mais probablement une préouverture pour les gens qui ont payé afin de leur donner l'exclusivité sur des choses dans la salle marchande et aussi que de financer d'une façon l'événement en faisant ça. Ok. Là, j'ai comme envie de faire un petit peu de ménage parce que là, c'est un peu le bordel. J'ai plein de poussière partout. Là, je voudrais pas que ça se répande partout, y compris à l'extérieur de la pièce courante. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un balai. On va passer le balai. Et je vais même le passer sur la table, le balai, tant qu'à être là. Je vais en profiter pour aller ranger certaines choses, dont un tournevis. Si j'avais de la place, honnêtement, j'aimerais ça mettre les tournevis puis tout ça ici. C'est juste qu'en ce moment, j'ai pas la place pour ça. Faudrait des tablettes supplémentaires, peut-être des choses de même, parce que ce serait le fun d'avoir plus d'outils que j'ai pas besoin de sortir de la pièce pour aller porter ça. Mais bon, c'est une amélioration à venir dans cette pièce, peut-être ici, ou peut-être dans une future propriété. Alors voilà. Ouais, mes gars, t'as besoin de soit acheter ou de faire des vêtements pour ton cosplay d'Akihiko. Oui, tu vas porter Yuni encore pour le Mini Comic Con. Oui, on va faire des photos ensemble d'ailleurs. Alors, ouais, c'est ça. Donc, cool, content que tu m'aies partagé tes plans, mes gars, pour le Mini Comic Con. On dit Mini Comic Con, mais en réalité, c'est édition des fêtes du Comic Con de Montréal, mais c'est une habitude, je pense, c'est resté de même. Alors voilà. Je vais aller porter ça, je reviens, j'arrive avec un balai. Alors, me revoilà. On va passer un peu le balai au sol parce que là, beaucoup de poussière. Commencer par tout envoyer au sol, y compris sur la table. Je prends les poils de mon balai et je les passe sur la table pour aller chercher de la poussière.
sa mûre tombe. Ok, alors maintenant, on fait au sol. Je vous le montre. Aimez-vous ça, la poussière? Moi, non. Mais bon, faut le ramasser. Tiens, je vous pitche ça dans la caméra. Non, c'est pas vrai. Je vais mettre ça là. Ça se peut que j'en ai déjà le réutilise. Mais je vais traiter ça plus tard. Je vais mettre mon balai là. Parce que ça se peut que je le réutilise. Ça me tente pas de sortir de la pièce. Ok, photo de progrès pour ce que j'ai fait. Donc, les endos d'armure. Trouve un moyen de montrer ça. Attends. Voilà. Parfait. Donc, ça c'est fait. Donc là, ce que je pense faire, c'est que je pense continuer les armures. En fait, dans un monde, on va dire, où je voudrais sécuriser les choses risquées le plus vite possible, je continuerais sur ces armures-là parce que j'aimerais savoir comment ça fonctionne, plugger des lumières là-dessus. Mais là, j'ai envie de continuer sur ma lancée. J'aime beaucoup faire des armures. Le côté salaud, sale, création... Ben, ça c'est la partie un peu moins fun de l'armure. Mais toute la partie moulage, création de patrons pour les pièces, ça j'aime beaucoup faire ça. Et je vais tout faire d'un coup. Puis en même temps, je vais tout primer d'un coup, mettre du... recouvrir ça de gesso, toutes les pièces d'armure d'un coup, ça va me permettre d'être beaucoup plus efficace, puis d'éviter les interruptions de matériel puis de technique à faire. Alors, donc là, ça veut dire que la prochaine étape pour les armures, ce sont les brassards. Alors, je vais me lancer là-dedans. Donc, la semaine passée, j'ai fait devant vous les patrons des pièces d'armure de... Des pièces d'armure de... Voyons, des épaulettes. Et là, ben, on va faire... on va faire les patrons des pièces d'armure des brassards. Donc, tout simplement ça. Là, je vais prendre une photo parce que je trouve ça beau. Alors, je vais juste... je pense que y a, ça, c'est deux petits. J'ai mis deux grands avec deux petits ensemble. C'est pas ce qu'il faut faire. Alors, tiens, je me patente une présentation. Je vous la montre, en fait, à l'instant. Je me fais une présentation pour une prise de photo, juste pour montrer ce que j'ai fait dans un futur truc de progrès. Alors, voilà. Tout recouvert de Warbler d'ailleurs. Ok. On va mettre ça de côté. Là, je pense qu'il va falloir que je m'achète un bac rapidement. Parce que mon cosplay commence à prendre de la place. Quand je commence à avoir des armures, là ça commence à être pas pire volumineux comme place que ça prend. Donc probablement je vais devoir m'acheter un bac en fin de semaine. Ou quelque chose comme ça pour... Pour entreposer du stock. Parce que j'en ai pas mal. Je commence à avoir pas mal de pièces pour Kamuravi en construction et ou prête. Alors voilà. T'aimes ça, mes gars? T'as le jaw drop du raptor? C'est un raptor, ça, ou une grenouille? Je vais aller voir. Komodo. Ah, c'est un Komodo. Ah, oh, ok. Oh. Les dragons de Komodo, ce sont des créatures très fortes qui tuent avec leur gueule, qui peut empoisonner d'ailleurs.
Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'y mettre. Ah, le PogCham, oui, ah, ben merci. Merci, mes gars. Alright. Donc, là, je vais me placer pour qu'on puisse travailler en version haut. Je vais aller chercher des feuilles pour créer les patrons. Je vous reviens. La musique de Baldur's Gate 1 est très épique. Okidoki. Alors, on met ça là. On va aller chercher les références. On va préparer la surface de travail. Je vais faire un petit peu de ménage. Ça va là. Ça, ça peut s'en aller. La lame, on n'en a pas besoin tout de suite. Un aiguisoir, ça serait bien. Je fais un peu de ménage. Il y a des trucs qui traînent. Monita a commencé à faire du crafting plus intense parce qu'elle veut. Elle travaille sur un cosplay qui doit être prêt dans 2 semaines. Et est un peu en roche. Puis là, ben, elle recommence à travailler dans la salle crafting. Et là, ben, il y a des choses qu'il faut que je range. Alors, voilà. Nous allons nous mettre comme ceci. Bon, je prends une bonne douche après ce stream. Ok. Je vais aller me chercher les photos de référence. J'enlève la poussière qui s'accumule. Alors, il faut que je fasse ça ici. Oh, c'est intéressant, regardez, il y a des. C'est des plaques qui viennent se coller une par-dessus l'autre, on dirait. Mais ça, c'est pas la même chose que ça. Oups, vous voyez pas, hein. Wow. Tombe pas tout. Ok. Alors. C'est ça que je dois faire. Donc là, ça, c'est pas le design ici, c'est pas la même chose que ça. Il y a des différences. Alors moi, ce que je fais, c'est que je m'en vais chercher la référence dans le jeu pour savoir quoi faire. Je vais aller voir mon album de Kamuravi. Bon, là, il faut que je trouve une bonne image pour ces brassards. Ça sera pas évident, je continue à fouiller. Je me suis pas concentré là-dessus dans mes recherches. Oh, attendez, j'en ai peut-être une ici. Ok, c'est le fun, il y a un protège. J'allais dire un. Je sais pas si vous le voyez ici, là, mais il y a un protège sommet de la main. Donc, ça, il va falloir que je fasse ça. Ok, c'est bon. Je prends des notes sur ce que je vois. Même ça ressort. Ça se peut que je fasse pas ça en Warb là, par contre, le bout. Mais les épaules, les brassards, oui, par contre. J'aimerais ça avoir de la bonne armure. Hein. Ok, je continue à fouiller dans mes notes, dans mes captures d'écran. Trouver des angles. Je m'étais plus concentré sur les cheveux cette fois-ci. Ok, je pense avoir compris comment ça fonctionne son armure. Je pensais que c'était du tissu en dessous, mais c'est pas ça. Je suis en train de penser à comment faire ça.
Ça va me prendre des meilleures photos parce que je trouve que j'en ai pas des super pour son armure, ses brassards en fait. Je continue à regarder ce que j'ai. Mais non, je pense qu'il va falloir aller voir des vidéos et prendre des captures d'écran. Donc, Xenoblade 3 Kamurabi. Je sais pas si on va avoir. Bon, désolé, spoiler alert. Mais vous êtes avertis. Si vous jouez à. Si vous jouez à ce jeu, ou vous pensez y jouer. C'est pas des gros spoilers, mais bon. Là, mon but, c'est de trouver des belles shots de ces brassards. Ah, j'en ai peut-être une ici. On voit le bout. Ah, on voit bien là aussi. Dans ce coin-là. Ça s'en vient. Ouais, il y a beaucoup de feu dans ce vidéo, hein? C'est méga. Je regarde pour des. Attendez, il y avait quoi ici? Ah, ça, c'est une belle shot pour la perruque, par contre. Ça, je l'avais déjà. Ah, je peux avancer plus vite. Non. Je savais pas que je pouvais faire ça. Non? Je vois pas vraiment. Oh, attendez. J'ai peut-être quelque chose. Putain, je me prends des captures. Je pense que je vais devoir le faire en fond, un peu comme Bob. Pour la base, mais je pourrais monter du Warbler par-dessus après l'avoir mis la base. C'est une idée que j'ai en tête. Comme venir coller ça au Velcro ou de quoi de même. Là. Je pense que c'est ce que je dois faire. Je pense que c'est ça. Ah, c'est je pense que c'est carrément ça que je dois faire. Regardez ici. Là. Ça, en dessous, je le ferai en fond. Comme un brassard, comme j'ai fait pour Bob. Mais par-dessus, il y a une plaque de quelque chose. Ça, ce serait en Warbler, puis que je viendrai après avoir inséré ça avec le foam. C'est malléable, je peux le rentrer comme j'ai fait Bob. Je viens monter ça par-dessus, puis ça fait de quoi de solide pour sur le dessus du. Je pourrais même utiliser la même technique pour l'espèce de truc à son avant-bras. Je pourrais le faire en fond. Puis je viens le passer dans mon bras, puis je le remonte. Et il vient se coller là, se mettre en place là. Puis ensuite, je viens comme avec du. Avec des velcros, une façon à l'attacher le brassard à deux places, soit sur le sommet de l'épaule et sur le truc en fond qui fait le tour du bras. Donc, ouais, c'est le plan que j'ai en tête pour ça.
J'essaie de trouver des captures d'écran. Continue. Oh, ça, c'est une belle shot. Oh, attendez. J'ai vu de quoi de popper. Ça, c'est une belle shot du feu sur les armures. C'est-tu la fameuse quête avec QBB, ça? Je pense que oui, le fameux Nopon. Continuez à regarder. Ouais, c'est QBB. Oh, ça, hey, le feu, il sort super bien. Oh, attends, j'ai une belle image de proche des armures. Hey, c'est beau, ça flash dans le noir en plus. Allez. Il y avait une belle shot de Kamuravi de proche. Je l'ai manqué dans la vidéo. Ouais, QBB. Il y a un nom cute, je trouve, QBB. Allez, je veux juste voir Kamuravi de proche. Ah, c'est là, bon. Ok, good. Donc, deux boss là. En Warbler. Avec un module amovible pour protéger les poignées. Ouais, je pense qu'on l'a. Est-ce que j'ai besoin d'autres références? Je voudrais une image de proche là, de ses mains. Oh, ici. Ici, on a peut-être de quoi. Ouais, là, ça c'est une cinématique, donc je pense qu'on va voir des vues de proche. Essayons de trouver. Oh, j'ai vu de quoi. Ah, j'ai barré mon téléphone. Zut. Faut que je sois vite pour ma capture d'écran. Allez, recule. Pourquoi il recule pas? Quand il la prend dans ses bras. Il y a une shot. Là. Ok. Il a tourné son poignet là. Puis on a vu le dessus des. On a vu le dessus des. Des brassards. Regardez, on le voit encore là. Là. Ces cinématiques-là, c'est les meilleures parce que on voit mieux. On voit des détails en même temps de plastron et d'armure. Ce sont de très bonnes références. Je viens de voir des choses que j'ai manquées dans mes armures. Oh non! Je vais les refaire. Attends. Ben, c'est pas compliqué. C'est une ligne à faire. Je peux percer légèrement le. Je reviens à la musique à l'arrêter. Yep. Donc, allons-y. C'est pas compliqué à faire, ça. Mais je pense que j'ai pas mal de références. Je continue à regarder la vidéo, voir s'il n'y a pas de quoi qu'il me manque, là. Hey, je me rends compte, dans des cinématiques, je pense que leur texture, il y a des détails qui apparaissent, puis qui apparaissent pas quand ce ne sont pas des cinématiques comme ça, là, avec des bulles de texte. Parce que Kamuravi, il y avait pas des lignes au bout de ses armures d'épaule en bas, la portion basse. Comme là, il les a pas. Il les a pas ici. Mais là, vous voyez pas, là, c'est trop imprécis.
de trop loin. Moi, je vais en rajouter du détail, là, mais. Non, je pense qu'on est correct. Non. Oh, attendez, ça c'est beau, ça. Une photo de ça. Parfait. Ok, bon, ben j'ai assez de photos de référence, je pense. Donc, je vais juste les mettre dans mon album. Je vais les trier un petit peu. Donc, voilà. Donc, photos, plus de photos, on aime ça. Je suis rendu à 300, plus de 300 photos dans l'album de ce cosplay-là. Alors, on met ça dans l'album de Kemuravi. 306 plus X nombre de photos que j'ai achetées. On est rendu à 324 dans l'album que j'ai. Alors. Je vérifie de quoi. Il y en a aussi l'autre bord. Ok. Ah, c'est ça que je voulais dire. Non, oups. Je vous montre ça. Il y a des lignes sur le bord ici que j'ai pas fait, mais que je peux facilement venir prendre là, puis avec un outil creuser un peu dans le Warblob, faire la ligne. Alors oui, je pourrais faire ça. C'est le détail que j'ai pas vu. Même que je pourrais faire le prolongement de cette ligne tout le tour pour venir en tout cas. Mais ouais, ça c'est un détail que pas que j'avais manqué, mais je pensais pas qu'il y avait. En fait, c'est parce que je regardais trop ça comme référence, puis avec la lumière, le feu, des fois c'est difficile à voir, étant donné le contraste, le glare, comme on dit. Alors, c'est ça. Mais là, on va revenir aux épaules, ben pas aux épaules, au brassard. Une belle photo ici. Du module du dessus, du moins. Donc, ça. Yep. Donc, c'est ça que je dois faire. Prendre un screenshot. Donc, on va s'y mettre. On va s'y mettre. J'ai besoin d'une règle. Non, c'est bon. Je pense qu'on va y aller dans ce sens-là. Puis on va travailler comme ça. Là, j'aimerais avoir une shot où on voit tout. Tout le brassard. Je pense que tout ça, ça vient en un. Ok, alors. Là, il faut que je pense à la circonférence de mon bras, ça c'est important. On va le faire en trapèze. Genre de trapèze très élongé. Donc si ça couvre ça. Faut que je pense que je vais avoir de l'armure en dessous aussi, alors faut que je le fasse quand même assez gros. Disons
par-dessus. Faut que ça vienne faire peut-être la moitié de ma circonférence de bras. Je pense que je peux même en acheter un petit peu plus. Facile à en enlever que d'en acheter. Ok. Alors. Là, je vais y aller en angle. Là. Je vais faire des calculs. Je veux que ce soit symétrique de tous les bords. Là, peut-être ici, je dois mettre une courbe. Peut-être ici, je dois mettre une courbe. C'est quand même gros. J'ai besoin de ré. J'en ai une devant moi. 11,6, ça fait 5,8. Voilà. Donc voilà le point de départ. Là, mon but c'est de faire de quoi de symétrique. Alors on va essayer de faire comme ça. Donc disons, faut que ce soit long comment cette affaire-là. Selon l'image de référence, ça je peux m'y fier. Par contre, pour la longueur, ça va. En fait, je vais oublier la couche en dessous là. Là, je fais juste la plaquette du dessus pour l'instant. Quoi que ce serait peut-être une bonne idée après, en parallèle, de faire la couche du bas. Ça va de mon coude. Donc son bras est là. Ça va du coude. Ça va du coude jusque au poignet. Tout compris. Ça donne quoi en mesure avec moi? Je vais étendre mon bras. 25 cm. Donc ça donne une enveloppe comme ça, tout compris. Ça va être assez, mais bon. Fait que ça, c'est notre terrain de jeu. Notre terrain de jeu, c'est 8,05 cm de ce bord-là. Ici, on est à 5 points. Ben, c'est ça, on l'avait tantôt. Voilà. Donc, ça, c'est notre terrain de jeu pour le truc sur le dessus. Là, je suis en train vraiment de réaliser que je devrais faire. Faudrait que je fasse la partie du bas pour être représentatif parce que là, ça se peut que ce soit difficile à juger la bonne grandeur de ça. Puis, je regarde ça, c'est assez serré sur son bras. Bob, il y avait un lousse.
Dans son cas, je crois que c'est plus serré que ce qu'on pourrait penser. Au début, moi, je pensais que c'était du tissu. La portion en dessous. Mais avoir. Je peux te trouver une meilleure image. Avoir ça ici. Ça se peut que ce soit du tissu, mais. Oups. Ça se peut que ce soit du tissu. Je viens de penser à mon affaire. Ça, pis ça se ressemble. Quoique ça a l'air d'être de l'armure aussi. Non, moi je pense que c'est mieux d'être que ce soit en forme. Je le moulerai au pire à mon bras, là, mais il faut que je sois capable de le fermer et de pouvoir passer mon bras dedans. T'sais. Donc, puis tu sais, surtout quand tu passes un bras dans un trou, c'est le pouce, là, cette partie-là. Mais oui. Ouais. Ok. Je pense que le truc du dessous, ça inclut le poignet aussi, là, le truc qui recouvre le poignet. On le voit pas ici, là. Mais on voit quand même une bosse. Mais quand même, je vais faire le truc du dessus. Parce que je pense que c'est. Je peux faire quelque chose. Alors, je vais aller me chercher une photo, disons celle-là. Sais, si ça, c'est le dessus de la main. Top. Si ça c'est le dessus, ça veut dire que. Le deuxième, il est à la moitié de ce que je dois faire en longueur. Donc à peu près à 12 cm que le bout sera. On avait dit 12,5, 25 cm qu'on a dit tantôt. Donc quelque chose comme ça. D'ailleurs, ce serait bien que je réutilise exactement le même patron des lignes identiques qu'on retrouve sur les armures d'épaule que j'ai faites. Alors, on va y aller de même. Là, je prototype quelque chose. Je sais pas ce que ça va donner. Mais ça, je pense que ça va. Ça, c'est à peu près aux 2 tiers. Donc, le 2 tiers, ça va être 8,5. Donc, à partir de 8,5, ici, on va dire 8. Là, on a la forme qu'on a vue tantôt. Mon œil me dit que c'est devrait être plus en bas. Je vais y aller de même. Ok. Alors, ma perception me dit que ça devrait être comme ça. Puis il y a comme une petite bosse. Puis ça s'en va comme ça. En fait, on va séparer. Il faut séparer le reste en deux. Donc,
Je vais fort probablement devoir changer ça après, là, mais au moins on va commencer à esquisser une forme pour le brassard. Peut-être que la largeur sera pas bonne, mais peut-être que la hauteur va être la hauteur, la position des places en hauteur va être bonne. Une construction symétrique. De ça, c'est même que je pense que je pourrais le faire plus grand un petit peu, un demi centimètre de plus. On est à 7,8 centimètres, on va à 7,8. J'arrive pas à la longueur que je devrais ici. 1,4. 1,4. Ouais, c'est ça, j'arrive un petit peu. Je suis un peu décalé. Y a-tu une efface pas loin? Ça c'est bon. J'étais à 8,3. Ici, j'étais à 8. Ouais. Donc, on va régler ça. Ma ligne était pas bonne. Ça c'est le poignet, ça c'est le coude. Okay. Alors là, ça c'est parallèle à ça.
3,7 cm. Parallèle à celui-ci. Comme ça. Voilà. Donc, salut Mousse, content de te voir, ça va bien. On dessine un pot à fleurs ce soir. Non, en fait, je suis en train de concevoir un brassard. Un brassard un peu spécial pour mon projet cosplay de Kamuravi. Je te montre à quoi c'est supposé ressembler. Donc, là, je suis en train de faire un peu le brassard sur le dessus ici. Donc, ça, c'est le bout du coude. Ça, c'est le bout du. Ça, c'est le bout du. Voyons, du poignet. Alors, c'est ça, là. Je suis en train de prototyper quelque chose. Probablement. C'est sujet à changement, mais. Je commence à faire ça de mon bord. Toi, comment ça va, Mousse? Là, je regarde mes images de référence, là, pour. Même que j'ai peut-être exagéré le pot de fleurs. Moi, je pense que c'est un peu exagéré. En fait, c'est parce que la forme semble. Ça semble. En fait, je sais pas. Peut-être que si je faisais ça. En fait, je pense que j'ai mal compris le truc. En fait, c'est ça l'affaire, c'est quand on n'a pas beaucoup de super images, t'essaies d'approximer ce qu'il faut faire. Donc peut-être qu'en réalité, la forme va là, puis ensuite, irait comme ça peut-être. Ah, tu as hâte d'être en vacances, puis tu déménages ton gars en fin de semaine à Québec. Oh, ok, donc de beaux projets qui s'en viennent pour toi et ta famille. Alors, c'est bien, c'est bien. Tu fais ça souvent, des déménagements, ou c'est avec. Je suis curieux. Yep. Donc là, je vais. Moi, je pense que j'en ai pas assez large parce que il va y avoir une espèce de sous-brassard en dessous de ça. Donc, il faudrait peut-être que je fasse le sous-brassard. Mais là, j'ai comme envie de. En tout cas, là, en ce moment, c'est beaucoup d'essais-erreurs. En fait, il faudrait pas que je le fasse en ligne droite. On prototype. Ouais, c'est pas facile qu'on n'a pas d'image dans tous les angles. Effectivement, c'est le défi. Je vais me patenter quelque chose. On oublie l'autre côté, je vais y aller par symétrie après. Je vais me patenter une affaire. Faire une courbe. Disons de même, déjà c'est plus naturel. Ah, ok, il vole de. Voyons, j'allais dire il vole la maison, non? Il quitte la maison pour voler de ses propres ailes et aller au cégep Garneau. Ah, ben ça marche, donc les études dans ce cas. Donc, ben bon courage pour lui, pour ce qui s'en vient. Alors, yep. Je pensais quand j'avais quitté à 18 ans la maison de mes parents pour aller aux études en dortoir à l'université de Sherbrooke, c'est de beaux souvenirs. Ok, puis là, ben, si je suis cette courbe-là, je pense qu'on l'a. Ça part d'en haut, comme ici. Là, on le fait à l'envers. Peut-être un petit peu trop là par contre. Est-ce que ça fait ça? Et je vais vraiment à l'œil. Hein?
J'essaie de rendre ça. Si j'y vais comme ça. J'ai même un gabarit que je peux utiliser. Ah, tu vis encore avec tes parents. Ben, c'est correct, mes gars. Pour des raisons économiques, ça peut être bon. Hein. Donc, c'est moins cher. Économiquement, c'est moins cher, je présume, habiter chez ses parents. Alors, yep. C'est sûr que quand, dans mon cas, quand j'étudiais à l'université, quand ta famille habite pas dans la ville, habite à 1 heure de là, ça, c'est quand il n'y a pas de trafic, là, hors heure de pointe. Là. Ben, j'ai préféré habiter sur les lieux. Je connais un de mes cousins, il a fait exactement, il habite dans la même ville que mes parents. Lui, il l'a fait à tous les jours, le trajet en voiture. Là. Puis c'est 1 heure, avec le trafic, c'est 1 heure et quart, 1 heure et demie, là, fois 2. Lui, il l'a fait. Donc, tant mieux pour lui, mais moi j'étais pas prêt à faire ça. Je n'avais pas de voiture, en fait. Alors, c'est ça. Et là, c'est vrai, il y a un rebord à faire. Il va falloir que je pense à ça. Tiens, je vais tracer le rebord. Parce qu'il faut pas que je le ramène ici. Donc, yep, pour des raisons économiques. Yes, merci de la confirmation. Mais oui, yep. Mais oui, c'est... Moi, ça fait depuis combien de temps que je ne vis, je vole de vol de mes propres ailes? Ben, 18 ans. Depuis que j'ai 18 ans, en fait, c'est mes parents m'ont pas mis dehors. Là. C'est moi qui est parti à cause des études. Mais sinon, entre les stages et tout, j'habitais. J'ai toujours eu ma chambre chez mes parents et tout. Là, donc, ça, c'est bien. Là, je suis en train de réaliser comment on va. Il y a de quoi qui marche pas. Moi, je pense que je peux rapprocher ça un petit peu du centre. Un tout petit peu. Pas beaucoup, mais un tout petit peu. Disons une demi-longueur. T'étais à 8 minutes du cégep en autobus et 15 à bicyclette. Ah, ça, c'est le fun. Le vélo. Moi, mon moyen de transport préféré, c'est le vélo en ville. Hein. Donc, moi, faire du vélo, j'aime ça. C'est comme ça que je me rends à mon travail quand il n'y a pas de neige ou de pluie, là. On s'entend. De neige au sol, ça, j'en fais pas de vélo. Mais oui, c'est le fun, j'aime bien ça. Salut Joanne, content de te voir. C'est le fun, vous arrivez tous en même temps. Alors, ce soir, je suis en train de préparer un patron pour des brassards, donc de l'armure sur mes avant-bras. Allant jusqu'à mon poignet. Et c'est sur quoi je travaille ce soir. Je suis en train de patenter un patron. Là, et on va voir ce que ça donne. Alors, c'est ça. T'aimerais apprendre le vélo. Du vélo. De faire du vélo. Mes gars. Donc, tes parents sont capables d'en faire, je présume. Ouais, est-ce que tu as déjà fait du vélo? Si tu dis ça, je présume que non, là. Mais, moi, tu sais, j'ai appris... Le truc, c'est de savoir comment se mettre en équilibre, là. Mais ça, habituellement, on apprend ça très jeune. Moi, mon père m'avait emmené dans un stationnement d'un commerce vide un dimanche. Puis, tu sais, au début, je faisais du vélo comme les enfants, là, avec des roues stabilisatrices de chaque bord de ma roue arrière. Donc... tu sais, un tricycle ou de quoi de même. Puis là, à un moment donné, mon père m'a dit, ben, on va enlever tes roues. Puis là, ben, apprends à faire du vélo. Je te tiens, puis apprends-toi à être en équilibre. Alors, au début, je pense que j'ai dû tomber, probablement que oui. Mais je me suis relevé, puis j'ai appris à me mettre en équilibre. Et c'est ça. Je pense que je devrais plus aller sur les côtés. Parce que là, ça marche pas, ça va arriver là. C'est pas ce que je veux. Donc, je vais tricher et je vais l'emmener un petit peu plus par là. Ouais, t'avais tellement peur de tomber. Ouais, ben c'est sûr, mes gars. Je comprends cette peur-là. Là. Mais à un moment donné, il faut. À partir d'un certain moment, c'est possible de vaincre sa peur.
Toi, quand tu as quitté pour la première fois, Moose, tu as déménagé à Toronto, tu étais de retour à la maison 9 mois plus tard pour payer tes dettes parce que tu savais que ça coûtait tellement cher là-bas. Oui, hey, Toronto, c'est une autre réalité, hein? Le loyer puis les maisons, ça coûte au moins 2 à 3 fois plus cher que Montréal, hein? Donc, vous pensez que vous payez cher 1 600 $ par mois pour un loyer à Montréal, hein? Toronto, là, faites x2. C'est débile, hein? Qui peut se loger dans des conditions de même? Ben, il y en a parce qu'ils sont capables de se loger à Toronto, mais la proportion de ça qui va des revenus qui vont dans le loyer, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus grand à Toronto qu'à Montréal. Peut-être que les salaires sont plus élevés, là, ça dépend des domaines, là. Mais quand même, c'est pas un endroit facile à vivre côté budget et prix des loyers et de tout. T'avais une grosse bédaine vu que t'étais complètement tombé à mof. Oh, ok, donc t'as pris soin de toi à plusieurs niveaux en revenant ici. Yep. J'étais en train de refaire un peu les lignes. C'est beaucoup de gossage, puis de. Peut-être même que je vais devoir tout jeter ça à la poubelle. Mais bon, c'est un début de croquis. Alors voilà. Donc, on va retourner voir ma référence. J'ai pas des super images. Surtout que dans le livre de référence qui est ici, c'est pas exactement la même chose que dans le jeu, tu sais. Donc j'essaie de me fier plus au jeu. Alors, c'est ça. Ah, mais t'as pas perdu ta bédaine. Oh, dommage. Mais ouais, oh, t'as eu le meilleur salaire au Québec, ça coûtait vraiment moins cher. Oui, en fait, c'est ça. Pour le loyer, là. Oui, ça peut être cher à Montréal. Oui, il y a une crise du logement, là. Mais en termes de prix, c'est beaucoup moins cher à Montréal qu'à Toronto et Vancouver. Notre loyer, nos hypothèques et nos loyers, là, oui, ça peut être élevé pour nous, là, au Québec, là, mais c'est tellement moins cher que si vous sortez, vous allez en Ontario, puis en Colombie-Britannique, Alberta, c'est beaucoup moins cher ici au Québec. Yep. Ok, fait qu'on va revenir à ce que j'essaie de trouver une image là qui fit plus ce que je veux faire. En fait, ici, c'est moins. C'est un peu trop intense le truc que j'ai fait. Peut-être je devrais plus aller de même. Et puis ici. Comme ça. Puis là, oups, vous voyez pas, hein? Ouais, comme ça. Puis là, ici, on y va de même. J'essaie de faire une courbe. Mais c'est un peu bizarre comme courbe. Fait que ça, c'est ce que j'ai pour l'instant. Là, j'aimerais voir la fin du poignet. Il faut que je me trouve une image qui va m'aider pour ça. Ouais, je pense que je dois arrondir ça ici. Allons-y. En fait,
Ouais, disons comme ça. Juste là que je trouve ça bizarre un peu. J'aime pas ce coin-là ici. Si je le faisais plus là. En fait, c'est que. Ah, j'ai mal compris le plan. C'est ça. Ça. Puis on revient. Dans la foulée de tout ça. Ouais, c'est ça, j'ai mal compris le plan. Ok. Donc, si on le refait. Ça. À partir d'ici, il faut vraiment. Même que je trouve que ça pourrait être encore même plus court. Cool. Ouais, je pense qu'on va. Le nom du personnage, c'est Kamuravi, C-A-M-M-U-R-A-V-I, du jeu Xenoblade Chronicles 3. Donc, c'est ça le nom du personnage. Perso avec beaucoup d'armure. Ok, donc c'est trop un moyen de. Je pense qu'on va y aller de même. Clac. Je vais essayer de le faire correctement. J'aime pas ce bout-là. Corriger ça tout de suite. Comme une courbe. En fait, savez-vous quoi? Attends. Au lieu de se mêler, on va s'orienter comme le dessin. Attends. Ouais, ça me permet de voir des affaires. Tu sais, j'étais à l'envers depuis tantôt. Donc, comme ça. Ouais, c'est ça. Ça fait plus de sens quand même. C'est mieux de travailler à l'endroit. Puis là ici. Ça, je peux arrondir. Là aussi. Peut-être trop arrondi ça. Peut-être comme ça. Puis là, on va enlever les excédents. Faire la forme. Même que je pourrais mettre ça. Pourquoi
Pourquoi j'ai fait une courbe? Ah oui, c'est parce qu'il y en avait une. On va faire une très subtile. Demain, il annonce de la neige. Si j'ai bien vu, j'irai pas au travail en vélo. J'ai vu qu'il annonce 10 à 15 cm demain, là, mais c'est-tu pour demain ou pour mercredi, je sais pas. Montréal, c'était plus 5 à 10, là, mais Météo Média, étant Météo Média, ils ont exagéré les trucs. Peut-être. Faut jamais. En tout cas, j'aime pas trop me fier. Faut pas se fier aux nouvelles sensationnalistes que ce site-là, que ce service-là tend à aller vers souvent. Regardez plus les détails des prévisions en tant que telles, puis ça va être plus représentatif. Est-ce que je vais le faire en Warblow en fond? Ben les deux, Johan. Ça, c'est la partie du dessus, ça va être en Warblow, mais ça va être monté sur quelque chose d'autre en fond ou en dessous. C'est le plan que j'ai pour l'instant. Alors voilà. Donc je me lance là-dedans. Donc là, on va mieux faire les lignes rouges. Celle-là, je vais la replacer. Il faut que ce soit parallèle. Hein, donc, ouais, effectivement, il n'y a pas beaucoup de photos du personnage. Mais c'est un personnage secondaire aussi, là. C'est pas un des principaux. Il est dans les principaux, mais c'est parce que c'est un jeu de rôle japonais. Il y en a comme 20 personnages principaux. On pourrait même dire secondaires. C'est ça. Donc, je regarde pour ça. Donc, on va dire ceci. Ça va aller par là. Faut que je m'enligne avec ça. Que je pourrais aller un petit peu plus vers le centre. Ouais, c'est pas évident. Si je dis ça. Même que je pense que je suis trop sur le dessus du. Je pense que j'ai un problème. Probablement que je vais devoir revoir mon approche. Parce que l'autre, en réalité, il commence là. En réalité, ça il commence ici. Je peux tricher un peu puis l'emmener là, mais c'est quand même Donc ici, c'est croche. Quelque chose comme ça ici. Puis en bas, bon. Donc ça donne ça. Donc j'en rajouterai un petit peu là pour tricher. Ok. Fait que là, on va se faire une ligne pour plier tout ça. On va rapporter ça de l'autre bord. Puis ça va nous faire un patron de départ dans cette aventure pour trouver quoi faire.
Alors, c'est ça. Donc, on va découper. J'ai besoin d'une paire de ciseaux qui est là-bas. Moonlita l'a prise. On va aller la chercher sur sa table où elle travaille. Elle n'est pas dans la pièce en ce moment, mais quand elle est là, elle travaille sur une autre table. J'ai pris une photo, hein? Ouais, j'ai pris une photo, c'est bon. Ok, alors là, on va tranquillement découper ça pour le plier et l'emmener faire la symétrie pour la forme. On va se rendre ça plus facile. Non, ben c'est ça, Mousse, pour les images du personnage, c'est mieux d'aller dans les vidéos YouTube puis de faire des captures d'écran comme j'ai fait tantôt. Parce que il n'y en a pas vraiment. Aller voir les cinématiques du jeu puis aller se chercher des captures d'écran comme ça. C'est comme ça que je vais chercher mes références. Ok. Là, on va enlever ça. Là, on est plus à l'aise à découper des petites crevasses quand il n'y a pas le papier autour qui dérange. Ça, même que je devrais pré-effacer tout ça. Je trouve pas tout parce que je vais devoir faire les lignes. Juste ça qu'il faut que j'enlève pour l'instant. Oh, beaucoup de poussière dans cette pièce. Je vais devoir faire un bon ménage. Des gens qui ont joué à Baldur's Gate 3 dans le chat. J'y joue en ce moment. Là, vous entendez la musique de jeux comme Baldur's Gate 1, 2, Icewind Dale, Neverwinter Nights, tous des jeux dans ce même genre, des jeux narratifs dans les règles de Donjons et Dragons. Je trippe en ce moment sur Baldur's Gate 3. C'est très bon. Je suis accroché à l'histoire.
C'est très narratif. J'aime beaucoup ça. Il y a des choix déchirants à faire des fois. T'es pas certain de réussir tes choix avec le brassage de dés comme dans Donjons et Dragons. Tu peux toujours reprendre ta sauvegarde puis réessayer, mais c'est le fun, honnêtement. J'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à jouer à ça. Ah, t'as pas un PC assez fort, mes gars. Mais est-ce que tu as une PlayStation 5? Parce que le jeu est disponible sur PlayStation 5. Mais je pense pas que c'est la même expérience. Parce que. Je sais pas, ça doit être bizarre de jouer à ça avec une manette. Je serais curieux de savoir. Si... Je regardais les gens jouer sur YouTube, sur PlayStation 5 pour comparer. Puis je trouvais que. Comment je dirais ça? Je trouvais que c'était pas exactement le même rythme. Est-ce que c'est le fun de contrôler des curseurs par manette? Je sais pas. J'ai déjà fait ça dans le passé, dans des jeux sur console, puis c'était pas le fun. En tout cas, je trouvais que c'était mieux à la manette. Au PC avec clavier souris, mais bon. Moi, je pense que c'est mieux d'y jouer sur PC, là, mais oui. Un jour, tu auras un PC assez fort, mes gars. Pour vivre d'espoir. Si c'est ça que tu veux, bien sûr. Donc, tu vas aller écouter Alerte la série, Joanne. Alors, oui, ben, bonne soirée, à la prochaine. Donc, merci d'être passé. Ah, t'aimerais un jour, ouais, ben je te le souhaite, mes gars, c'est le fun d'avoir un bon PC. Le PC que j'ai date de 2017. Il était très bon à l'époque. Là, il joue aux jeux récents très bien. C'est juste que des fois, je dois descendre la qualité graphique et la résolution pour y arriver. Mais si je peux jouer aux jeux récents, là. Pour encore quelques années, peut-être 2-3 ans. J'ai l'intention de changer de PC éventuellement, d'en avoir un nouveau, puis de prendre celui actuel pour les jeux vidéo et l'emmener dans cette salle ici pour contrôler mes streams. Parce que là, en ce moment, j'utilise l'ordinateur portable de Moonlita qui me le passe, qui me le prête généreusement tous les lundis soirs. C'est le fun, je suis content qu'elle me le prête, mais elle peut pas utiliser son ordinateur pendant ce temps-là, elle fait autre chose. Elle s'occupe très bien sur sa tablette, son iPad et tout, là, pour ses dessins et tout ça. J'aimerais ça pas dépendre d'elle et de lui laisser son ordinateur. Alors, voilà. Donc, on a découpé le patron. Si je le mets sur ma main. Là, c'est fort probablement, c'est trop gros, mais il faut penser que je vais avoir de quoi en dessous. Fait que je le laisse de même pour l'instant. En tout cas, ça me semble bon côté longueur. C'est côté largeur qu'on va voir. Voilà. Donc, on a le patron en question. Je vais prendre une photo. Je pense que c'est prometteur, là. Je pense que c'est prometteur. Votre propriétaire a une PlayStation 5, elle est tellement belle, oui. C'est une belle console. C'est une belle console. Elle est chère. Très chère. Mais c'est une belle console. Je sais pas si je vais en avoir une un jour. J'ai l'intention de rester sur PC pour tant que je le peux. J'aime beaucoup jouer sur PC, honnêtement. Je sais pas. Moi, j'attends souvent que les exclusivités console arrivent sur PC, je les achète puis j'y joue. Ça se peut que ça change éventuellement. Là, honnêtement, y a pas de jeu en ce moment qui me pousserait à acheter une PlayStation 5 ou une Xbox Series, pour être bien honnête avec vous. Xbox Series, ça sert à rien parce que les exclusivités sortent toujours sur PC presque en même temps ou tout de suite après. Parce qu'Xbox, Microsoft œuvre dans le sur le la, sur PC aussi. C'est plus pour la PlayStation 5. Par contre, les consoles de Nintendo, ça, je les achète tous, par contre. Nintendo, là, ils ont un éventail de jeux que tu retrouveras jamais sur d'autres consoles que Nintendo.
Alors, moi, j'achète les consoles de Nintendo. Mais par contre, tu sais, Sony, PlayStation, Sony puis Microsoft, je vais prendre une pause pour leur console. En tout cas, tant que, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de raison qui me pousse à changer d'avis, ben c'est ça que je vais faire. Mais là, trêve de parler parce qu'il est 9h05, ben 9h05 du soir, 21h05, 9h05 p.m. Et je vais vous laisser là-dessus. Alors, je suis content d'avoir jasé avec vous, puis d'avoir passé la soirée avec vous ce soir. Puis ouais, t'es contente avec ta Switch pour l'instant. Oui, moi aussi, mes gars. J'aime beaucoup la Switch. J'ai hâte de voir ce que Nintendo va faire pour sa console. Mais si jamais il y a des nouvelles, je vous en parle dans un GDI News, mon podcast du lundi. Pas du lundi, du samedi. Et ben d'ici là, ben on se voit mercredi dans 2 jours pour la suite du Randomizer de Ocarina of Time et Majora's Mask, qui a fortement débloqué mercredi dernier. Alors je vous invite à venir le voir et à me voir m'exciter devant tout ce que je trouve et toutes les découvertes que je fais. Alors on se dit au revoir tout le monde, à la prochaine, portez-vous bien et bye bye!